Très heureux de participer à cette conférence parce que je pense qu'elle se pose un certain nombre de questions que nous, en interne, on se pose. Comme je disais, on est en train de préparer la nouvelle stratégie climat pour la période 2017-2020, dans le cadre de laquelle on voudrait travailler avec des nouvelles métriques sur l'adaptation. L'adaptation à l'AFD, c'est environ 400 millions d'euros par an. Et ce qu'on voudrait d'ici 2020, c'est tripler ce montant et arriver à 1,2 milliard d'euros de projets ayant un co-bénéfice en matière d'adaptation qui soit financé par l'AFD. Et pour ce faire, on a besoin de nouvelles méthodes, nouveaux outils pour mieux apprécier les besoins et mieux apprécier évidemment l'impact de ce qu'on finance. C'est au-delà des chiffres, ce qui est vraiment très important, c'est toute la partie contrôle de la qualité de ce qu'on finance. Et encore une fois, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que un bon projet d'adaptation n'est pas nécessairement un gros projet avec des financements très importants. C'est avant tout un projet qui accompagne et qui renforce les capacités localement, qui produit de l'information climatique pertinente et qui du coup répond réellement aux besoins. Et donc pour ça, on a besoin d'autres métriques que juste le suivi du financement en tant que tel. C'est un peu la raison pour laquelle on est là. Et donc voilà, on est très curieux et très intéressé par entendre les interventions et les panélistes aujourd'hui.